Salut à tous, c'est Jean Raclette, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 où on va tester le mode de jeu Eliminator. Donc c'est un mode de jeu Battle Royale. Je vais vous montrer ça un petit peu en détail, on va tout de suite passer sur la caméra de la Xbox. Ok, donc je vais conduire au volant au lever de vitesse en boîte en H. Je trouvais ça plutôt sympathique de faire ça dans cette configuration là. Vous avez du coup la vue de la webcam, enfin de la caméra plutôt, c'est pas une webcam. Et on est parti pour une session de ce mode de jeu. Donc on commence avec une voiture niveau 1, une toute petite voiture. On n'a pas le choix, tout le monde aura la même. Et le but ça va être d'améliorer sa voiture en battant des gens ou en trouvant sur la map des meilleures voitures pour pouvoir être le dernier en piste. Les duels, il y a des duels. Si vous gagnez, vous améliorez votre voiture. Si vous perdez, vous êtes éliminé. Quand vous arrivez dans les 10 derniers, c'est une course finale avec les 10 derniers, le premier qui arrive et gagnant de l'éliminator. Voilà, je pense que vous connaissez les grandes lignes. J'ai spawné au Festival Horizon. Et je vais essayer du coup de trouver une voiture sympathique dans un largage. Ok, j'ai trouvé une voiture, une Nissan GT-R de 93. Bon, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Ok. Et là maintenant, du coup, on pourrait provoquer en duel une petite voiture peut-être et essayer de gagner pour augmenter du coup la capacité de notre voiture. Oh oh, une Ford Focus de 2017, niveau 5. Alors là, je peux vous dire, je pense que c'est une des meilleures voitures qu'on peut trouver dans un largage comme ça. Ok, bah écoutez, je pense que si on doit faire une course là, on est rodé. Ok, j'ai provoqué en duel quelqu'un. Et j'ai l'air d'être plutôt bien parti. Je vais couper un petit peu par la forêt. Du coup, pendant les duels, tout est permis. Vraiment, c'est juste le premier qui arrive. Hop, on va couper tranquillement par ici. Par là. Sans se prendre un arbre. Ça a l'air d'être le pro du coupage. Wow, 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 attention parce qu'il y a des conteneurs. C'est un peu con. Ouais, c'était sûr. Oh, je suis bloqué avec mon rétroviseur, c'est génial. Allez, faut pas perdre plus de temps. À 200 mètres, tournez à gauche. Ah, il a gagné malheureusement. Il a gagné, on a terminé 27ème. C'est un peu dommage, on avait une belle voiture et au premier duel on se fait avoir. Moi je vous propose qu'on relance une partie, maintenant qu'on a les bases, qu'on relance une partie pour essayer de faire mieux. Au moins arriver dans le top 10. Ok, on est reparti. Alors maintenant le but ça va être de trouver une voiture au plus vite. Il y a de la fumée là-bas. Aïe aïe aïe. On se fait provoquer par une Subaru. Et on frotte direct un mur, c'est génial ça. Ah bah ouais, ça va être complexe là. Il y a une voiture de niveau 4 quand même. Il va falloir prier pour qu'il se prenne un bon vieil arbre. Eh ouais. Et on se fait éliminer dès le début quoi. Pas de chance. Bah pas de chance en... Je spawn, je me fais direct éliminer, bah ça fait plaisir. Vraiment, ça fait du bien, une partie vraiment utile comme ça. Bon allez, à tout de suite pour encore une nouvelle course. Ok, on est reparti, cette fois-ci on va essayer de faire un peu mieux. Je vais mettre caméra. Et on va essayer de trouver une voiture assez rapidement parce que forcément quand on est coincé avec une voiture niveau 1, on fait pas long feu. Hop. Voiture niveau 2, c'est déjà ça. Ah, une voiture. Allez, on va le défier, lui. Une voiture de niveau 1. Oh, mais à quel moment il commence du bon sens, quoi. Vraiment pas de chance. Allez, faut pas perdre de temps. Ce serait bête de se refaire éliminer une nouvelle fois. Tournez à gauche. Allez, on va couper un petit peu. On prend des risques. Allez, je veux pas être trop... Wow! Faut juste pas forcer. Allez, on est à 300 mètres de l'arrivée, on est premier. Peut-être le premier duel remporté pour nous. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon.
Yes, enfin. Enfin, un duel remporté. Et là, du coup, maintenant, vous allez voir dans le petit menu, on a battu notre fluide. Et voilà, le petit menu, on peut prendre une Chevy Impala niveau 3 ou, du coup, la voiture de l'autre. Oh, voiture de police, excellent. Bah écoutez, pourquoi pas. Et regardez ce qu'on vient de trouver. Une voiture niveau 4, donc c'est encore meilleur que la nôtre. On va partir sur ça. Et pourquoi pas aller chercher un deuxième duel pour aller l'augmenter. Et ouais, c'est sympa. Faites demi-tour dès que possible. Aïe, on s'est fait provoquer en duel. Nouveau calcul de l'itinéraire. Let's go. Par une niveau 5. Je pense qu'on peut le battre si on fait pas d'erreur. C'est dans 2 km, c'est de la route. Allez, va falloir être très rapide. Allez, je le suis. Wow! Oh là la vache. Allez, pas d'arbre. Super. Pour l'instant, ça a l'air de bien partir. On est à 700 mètres de l'arrivée. Il y a une nouvelle forêt. Allez. On la passe. On la passe. Il y a une route. Et on y est. Deuxième duel gagné. La pure ligne droite. Pouf. Bon, on a gagné contre Svenen76. Ok, ça marche. Est-ce qu'on prend sa voiture ou on améliore la nôtre? On prend sa voiture, allez. Allons-y, niveau 5. On lui vole sa Ford. C'est une Ford Focus, il me semble. Super, Ford Focus de 2017. Et là, on est encore bien. On est dans la course. On a déjà fait deux éliminations. On n'est plus que 20. Je pense qu'on est bien parti. Oh, là on a un choix. Une Audi RS6 ou la nôtre. Ah, c'est complexe là. Je pense que la nôtre elle est plus tout terrain, mais c'est un peu dommage de laisser une Audi RS6 comme ça alors qu'on l'aurait bien voulu en début de partie. Ah, il va choper l'Audi RS6. Il pourrait, si possible, le défier un petit peu avant. Ouais, on l'a un peu défié avant avec sa Subaru. Il a un peu mieux démarré que nous. Mais on a un niveau de plus. Malheureusement, j'ai jamais de chance. A chaque fois, la zone, elle est dans mon dos. Allez, faut que je... Wow! Il était juste là, le bougre. Il s'était pris un arbre. Il m'a fait peur. Allez, à nous d'en profiter. Jouons bien. Alors, je vais me remettre sur la route, pour le coup. Wow! C'était prévu. Ça va être serré. Oui, il s'est raté au dernier moment. Oh là là, troisième duel de gagné. Et là, on va pouvoir choisir du coup une voiture. Une Alfa Stelvio, propre. Une Alfa Stelvio, je suis plutôt content. Allez, ça commence à être intéressant. On commence à pas être beaucoup dans la zone. Et là, pour le coup, on a une belle voiture. On est plus de 10. Ça va être le début de la course finale que je vous promettais depuis le début. Donc, j'espère que là, pour le coup... Ça va nous sourire. On a une voiture niveau 6 pour débuter cette phase finale. Ok, effectivement, sur la carte. Face à face animée. Oh oui, face à face animée. Oui, je regardais la map. Il y a une voiture niveau 8 qui m'a défié. Et le face à face a été annulé vu qu'on est plus que 10. Ça commence dans 5 secondes. La course finale. Allez, malheureusement, c'était dans le mauvais sens. Allez, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir en haut à droite la position des différents... notre position, plutôt. Et là, le but, c'est d'être le premier à la ligne d'arrivée. Ça va être dans la ville. On est pas mal suivi. Attention, parce qu'il y a une voiture rouge qui nous colle au cul. On a une voiture un peu plus puissante, j'ai l'impression. Oh lolo. Et à cette vitesse, d'accord. Allez, on perd un petit peu le contrôle de la voiture, on est deuxième. Pourquoi pas aller chercher une victoire? Ça serait magnifique. À 400 mètres, tournez à gauche. Hop, allez, deuxième. Ça se termine dans la ville. Tournez à gauche. Hop, petit virage à gauche. Alors que le premier, c'est un niveau 5.
Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Tournez à droite. Allez. Au rond-point. Allez, au rond-point, tournez à droite. Allez. S'il te plaît, laisse-moi passer. Dans 300 mètres. Allez. Plus vite. Non. Non. Deuxième. Oh la vache. Deuxième, on était si proche. Oh non, si proche de la victoire. Ah, oh, j'y crois pas. Oh, j'ai le cœur qui bat à 20 milliards. Oh, c'est bien joué. Bravo à lui. Il a mieux négocié le début de course. Si on était mieux parti dès le début, on aurait peut-être pu aller chercher. Ça s'est terminé à moins d'une seconde. Bah, bravo, deuxième. Mais écoutez, je pense que c'est un bon début. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est un bon début. Et on va quitter et voir ce que ça nous donne. Je pense qu'on va avoir un petit pack à ouvrir. Quittez pas. On va ouvrir un petit tirage. Trois éliminations, deuxième position. Je pense que c'est une partie qui est plutôt sympa. Dommage qu'on n'a pas une petite animation de premier pour nous ou un petit podium. Et ça pourrait nous rajouter un petit truc supplémentaire. Ça pourrait être cool. Alors, on va en avoir des packs, je pense. Et c'était vraiment... c'était fou. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Du coup, c'était une vidéo sur un nouveau mode de jeu. Je voulais tester. Waouh, magnifique casquette léopard. Dites-moi si ça vous plaît. Si vous voulez en voir d'autres, mettez des j'aime. Et dites-moi en commentaire, ça m'indiquerait si ça vous plaît ou non. On va tout de suite s'ouvrir les packs. On en a deux. Ok, allez, c'est parti. Et c'était... C'était intense la fin. J'ai cru vraiment qu'on allait pouvoir la voir. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Et allez, 100 000. Et non, débardeur. Yes, ça tombe bien. J'avais besoin d'un débardeur. Et le dernier pack, là, il y a beaucoup de crédits en jeu. 120 000. Bah, 120 000, c'est clairement ok. On termine cette vidéo à 6 200 000 à peu près. Donc ok, clairement ok. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et restez chez vous. Important, restez chez vous, prenez soin de vous. Allez, ciao.